on est devant la planche de concombre. Planche de concombre, grosso modo, 120-140 plants produits ici. En deux rangs par planche, avec sur le rang un espacement assez grand, 70. Bon, ça reste un classique sur le concombre. Et une méthode de palissage aussi assez classique, sur ficelle, en un seul brin. Et toujours avec cette fameuse machine à clipser et l'éclipse en métal qu'on retrouve ici. Fréquence de passage sur le concombre avec la machine à clipser, grosso modo, on est sur un passage par semaine sur le concombre, parce qu'un concombre, ça peut vite prendre 20 cm dans la semaine. Donc un passage par semaine jusqu'à ce qu'il ait atteint le porte-culture d'en haut. Une fois qu'il est là-haut, grosso modo, on va le faire retomber. Et là, il est suspendu au porte-culture et il n'y a plus besoin de le clipser, c'est la gravité qui va faire le boulot et qui va le tenir bien à la verticale. Agrafes, donc toujours de la même manière, on retrouve les agrafes qui me servent aussi dans le palissage des joubergines, tomates, etc. Des agrafes qu'on vient accrocher aux porte-culture avec une ficelle qui a été renouvelée et qui est renouvelée après chaque année, qui est une ficelle en jute. Donc une ficelle en jute en 5 brins. Donc la ficelle va faire l'année. Ensuite, au débarrassage de la culture, alors le concombre c'est assez facile à arracher, on vient l'arracher à la main en haut. Avec un ciseau, on vient couper la ficelle et après tout ça, ça part dehors sur le tas de compost. Les agrafes et la ficelle sont compostables, elles vont disparaître en un an, 18 mois. Super. Et on garde l'agrafe pour l'année suivante. Renouveler les ficelles de jute sur les agrafes, du coup ça se fait en période hivernale, quand on a plus de temps. Du coup on fait ça dans des bâtiments, à l'abri, éventuellement au chaud. On a un gabarit, donc là moi je réattache les ficelles de 3 mètres chaque année au niveau des agrafes. Donc j'ai un gabarit d'1,50 m et en faisant des allers-retours, on coupe une centaine de ficelles en une seule fois. Et après on va s'asseoir et on attache chacune des ficelles avec un double nœud aux agrafes en métal. Et donc ça en prévision de la saison à venir et par anticipation, ce qui permet un peu de répartir la charge de travail.